Bonjour. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo très sympathique. Oula, la coupe est très affreuse, dis donc. Ouah, c'est laid. Oui, c'est une petite parenthèse pour ceux qui qui seraient demandé pourquoi tu fais plus de vidéos, ça fait un mois que t'as pas de vidéo, parce qu'en fait petite explication brève. Donc il arrive que des gens travaillent dans la vie. Non, je rigole. Non, en vrai, j'ai un travail, voilà, maintenant. J'ai une copine, voilà. C'est annoncé, voilà, bim. Sur la table, c'est comme ça. Et j'ai pas... quand tu rentres du travail, t'es pas vraiment motivé à cette vidéo. Enfin, moi, je fais ça par passion, vraiment. Et quand j'ai pas envie, je fais pas. Quand j'ai pas envie, je fais pas. Je me force pas. Ok. Ok. Je vais essayer de faire une vidéo un peu... Je vais essayer de mêler fun. Fun et découverte. Enfin, vous allez voir, ça va être... Enfin, j'espère que ça va être bien pour vous. Chargement du profil. Gravity World War 2. Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes. Sie sollen! En fait, dans ce nouveau Call of Duty, on aura 5 modes de jeu. Pour l'instant, je sais pas s'il y en aura d'autres. Il y aura aussi du zombie, peut-être, je sais plus. Oui, il y aura du zombie, je pense. Il y aura match à mort par équipe, domination, hardpoint, guerre, et Moshi. Qui regroupera un peu tous les jeux. Mais, ce qui nous intéresse, nous, c'est le match à mort par équipe. Parce que en capture de points, comme dirait The Kiss 18, on a perdu Ronton. 24 heures de Ronton. Non, voilà, je suis pas très fort en capture de points, je suis plus en mode on va tous tuer tout le monde. La partie commence dans 30 secondes. Vous pouvez voir que le jeu est plutôt... On finit de gueuler chez moi les connards. En tout cas, vous pouvez voir que j'étais un peu votre guide de guerre. On va retourner dans le passé. Un petit bond dans le passé, c'est parti. Nous voici dans la guerre. La guerre mondiale. Moi, ce que je kiffe jouer, c'est celle-là. Voilà. Génial. Alors, ici, vous pouvez voir un magnifique tank de type 808, qui est de type allemand, qui sert à transporter des infanteries principalement. Vous rentrez par derrière. Oh non, on s'en fout. Du gameplay, moi. Oh, putain, bâtard. J'ai besoin de munitions. Voilà. Et en fait, dans ce jeu, ce qui est plutôt bien... Ouais, ça va être cheat pas parce que hier je voulais faire une vidéo sur ce jeu. Je suis tombé sur des hackers qui cheataient la map ou je sais pas quoi, qui avait des... Je sais plus comment ça s'appelle, des M-bots, voilà, des M-bots. Ça visait que la tête, ça visait à peine quand t'es pas là, ça visait déjà. Enfin bref. Oh, une cloche d'église. Vous pouvez voir que sur la cloche d'église, il est dessiné des petites formes. Dans les commentaires, vous me direz si ces formes vous disent. Voilà. Oh mon dieu. Ajoutez silencieux. C'est parti, la classe silencieux. En fait, dans cette partie, je suis mort 5 fois. J'ai toujours pas fait de kill, c'est génial. J'aimerais bien faire un kill comme dans cette partie, parce que le gameplay n'est pas ouf en lui-même. Enfin si, il est ouf, mais je suis vraiment mauvais, hein. Je suis vraiment mauvais. Faut vraiment que je reprenne la main sur ce jeu. Parce qu'à l'époque, j'étais un véritable monstre, comme dirait. Comment veux-tu faire une vidéo commentée nickel si tu n'arrives pas à jouer? Oula. Vous pouvez voir que dans le ciel, il est quand même beau. Il y a des avions qui parachutent des alliés. Voilà. Appareil de reconnaissance ennemi dans le... Franchement, le jeu, il est vraiment magnifique, hein, franchement. Magnifique, hein. Je sais pas si vous êtes là pour du gameplay de folie, mais de la découverte. Mais pour la découverte, vous êtes là, parce que la glace, c'est du sang dessus. Voilà. Non, franchement. Franchement, le jeu, il est beau. Je sais pas si je l'ai en ultra, mais il est programmé en version optimisée. Mais, vu que j'ai un bon PC, je sais pas si... c'est vraiment optimisé à 200% ou pas, le jeu. Je sais pas si on peut le pousser encore plus dans les graphismes, mais voilà quoi, vous me direz ça en commentaire. Bon, je suis vraiment mauvais, ça va plus là, faut vraiment que je me concentre parce que là ça va plus là. Attendez. On va vous montrer une petite charge à la baïonnette sur un mec AFK. C'est la kill cam la plus humiliante de ma vie, putain. C'est vraiment on s'est vraiment roulé dessus, on fait du 26... On a 26 points, ils ont 42. On se fait actuellement rouler dessus comme pas possible. Voilà, hop. Non, on va essayer de se reprendre en main parce que là, ça va plus. Hop, 2 kills. Le meilleur endroit sur cette map, là, il y a... Sur ce jeu, la bêta, pour l'instant... Ouais, c'est la bêta, je voulais pas préciser. Il y a que 3 maps ou 4, je sais plus. Et celle-là, le meilleur endroit, c'est de camper ici, franchement. Si vous voulez faire des kills, faut camper ici au-dessus de... dans les ruines, là. Faut camper dans les ruines. Parce que là, en fait, quand vous tirez ici, là, à droite, le petit tunnel, là, vous voyez les ombres passer, du coup, vous voyez quand un ennemi passe.
Là c'est bien. Regardez là, attendez, je vais peut-être vous montrer, on va peut-être voir. Là, là y a... il va arriver par là l'ennemi. On va le pré-shoot. Merde. Là il y a un ennemi qui arrive. Voilà, je pouvais rien faire, vous avez vu l'ombre. On fait un petit zoom sur l'ombre. Vous avez vu que l'ennemi est arrivé, mais j'ai pas eu le temps de le tirer dessus parce que c'était déjà deux. Après sur, sur ma chaîne, si vous voulez que je vous propose du game. La première vidéo, c'est une défaite. On va essayer de refaire une deuxième partie pour vous donner un peu plus de gameplay parce que le gameplay était pas très présent aujourd'hui. Ouais, non, comme. Je sais plus si sur Battlefield 1 ou sur les autres jeux, je sais plus sur quel jeu c'était, mais là il y a les temps forts. C'est le mec qui aura fait les kill-cam la plus ouf de la partie. Enfin, non, c'est pas ouf ça. Enfin, je sais pas. C'était pas ouf, ouf. On va lancer une deuxième partie. Je suis plus très habitué à la caméra, excusez-moi, parce que là j'ai encore l'habitude de regarder le retour caméra, le plateau regarder ici. Mais bon. Excusez-moi. Donc là on se retrouve sur la deuxième partie, c'est parti. Donc la partie, on va essayer la mode guerre. Du coup là on est en mode attaquant. On arrive avec nos chars. Et avec notre petit véhicule derrière. Franchement c'est trop beau les véhicules, ça me rappelle Company of Heroes, je sais pas si vous avez connu. Les véhicules c'est exactement les mêmes, c'est la même ambiance. Sauf que là on est les petits personnages. C'est vraiment... et les beaux yeux. Le seul défaut c'est que j'arrive pas à vous fournir du bon gameplay pour l'instant, mais franchement le jeu il mérite, il vaut le détour, franchement. Franchement il vaut vraiment le détour. En plus il arrive encore à avoir l'ambiance un peu, je vais pas dire l'ambiance de l'époque. Comment je peux dire ça? Ils ont réussi à mettre l'ambiance de l'époque sans les censures, genre c'est... On sent bien que c'était la guerre français-américain contre les Allemands, enfin l'ancienne Allemagne nazie. On arrive bien à ressentir ça. Ils ont pas à se censurer comme des ouf. Voilà, premier beau kill de la vie. Il manque la grenade celui-là. Donc là on doit récupérer cette maison. Et les autres doivent défendre. Les ennemis doivent défendre cette maison. Voilà, ils ont bien joué, ils ont bien joué. Ils ont contourné. Nous on apparaît ici dans la zone là. Voilà, on arrive avec nos camions et tout qui sont détruits, je ne sais comment. On arrive, on avance. On a juste capturé la maison comme du domination. Les autres doivent juste défendre la maison en fait, ils doivent juste rester devant et défendre, voilà. Là on a toujours, il nous restait un petit peu territoire à contester, il nous restait un tout petit peu à capturer et après on aura la totalité de cette opération. Là quand c'est rouge c'est qu'ils sont vraiment dedans. Mince. Je tue quelqu'un, on dit. Oh là là, quel monstre. Petit flashcope qui est passé, celui-là il est bien sniper comparé à l'autre, il one shot je crois. Comparé à l'autre il est one shot alors que l'autre il one shotait pas. Mais je crois que celui-là il est à verrou, je sais plus, attendez. Ouais il est à verrou, c'est pour ça qu'il one shot. L'autre il était pas à verrou, il était un peu semi-auto. C'est pour ça qu'il one shotait pas. Bon enfin bref, si... Enfin là il a pas one shot mais bon je crois que j'ai tiré dans le décor. J'ai mal joué. Bon faut quand même qu'on prenne ça, il nous reste 50 secondes. Putain j'ai pas réussi. Là on a perdu. Bon en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça, je pense que je vais arrêter, je ferai une prochaine vidéo pour vous expliquer un peu mieux le jeu. Là c'était juste un peu la découverte et le retour sur la chaîne YouTube. Et j'ai un nouveau micro aussi, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, vous pouvez laisser votre petit pouce bleu si vous aimez, ou le pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Voilà, le fameux truc, le dicton qu'on fait à chaque fin de vidéo. Dans la description vous avez mes réseaux sociaux, le Twitter, l'Instagram je sais pas encore, le Snapchat, le Twitter, et la page Facebook que j'ai supprimée parce que Facebook c'est un peu mort, on va pas se le cacher, voilà. Vous avez mon Twitter, mon Snapchat, vous pouvez vous abonner si vous avez plu. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve sur ma chaîne dans bientôt, voilà, bientôt. J'ai pas de date, voilà, mais bientôt. Allez, merci de notification, c'est la fin. Bonne vidéo, salut. Enfin, bonne vidéo, enfin, bonne fin de vidéo, salut.